Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Le thème de la vidéo aujourd'hui, comment tonifier ses fessiers en moins de 10 minutes. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de deux catégories d'entraînement de fessiers. Une catégorie pour tonifier ses fessiers et une catégorie d'entraînement pour les muscler et avoir du volume. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est l'anti-fesse molle, l'anti-goutte d'huile. Vous savez, la pesanteur là vers le sol, on va lutter contre ça. Donc c'est pas pour avoir du volume, les exercices que je vais vous présenter, mais simplement pour un objectif de fermeté et de tonicité du fessier. C'est ok? Bon, si vous avez quelques minutes, c'est parfait, hein. Vous allez juste faire un petit échauffement avant de démarrer cette vidéo. J'ai une vidéo d'échauffement, faites-la, ça va vous prendre 4-5 minutes et ensuite vous attaquez les fessiers. Je vous retrouve dehors? Allez, c'est parti! On va travailler les fesses et l'intérieur des cuisses en faisant ce mouvement-là. Avec moi, hop! Ouvrez au grand, pliez la jambe et vous ramenez. Vous pouvez avoir la pointe de pied qui va un petit peu vers l'extérieur, ok? Ça fait 8, encore 8 fois. Vous descendez la fesse dans le sol. Plus on descend la fesse, plus le mouvement va être efficace. Seule condition, avoir toujours le talon au sol. Et ouais, si tu lèves le talon, non, ça se fait pas. Ok, on change de côté. Ça a déjà fait 2 fois 8. On y va. En bas. Clac. Clac. Super. Encore 8 fois, on y va. 8, 7, 6, 5, ça fait combien? Comptez pour moi. Comptez pour moi. Ça fait combien? Je suis perdue. Ah, la dernière, ok. Reste là. Un jour d'exercice, prenez une chaise. En meuble, un truc. Vous avez quelque chose pour poser le pied derrière? On met le pied en l'air. Le pied derrière, il est en l'air. Avancez le pied avant. Voilà, comme ça. On plie la jambe. On plie, on tend la jambe. Ça va, ça? Ok. Et plus vous descendez bas, plus vous sentirez la fesse. Oh. Pareil, vous voyez la pointe de pied devant? Tout va bien. Si vous la voyez plus, avancez le pied. Sinon, vous aurez mal au joue demain. Dommage. Dommage, je t'ai donné tant de mal. Ok, on change de côté. On y va. Hop. Voilà, ça fonctionne, ça. Le soleil, bronze-moi, je suis blanche. Oh là, je suis blanche. Allez, on y va. Hop, encore, on descend. On descend. Vous voulez des fesses? On descend. Tonique, hein. Pour le volume, c'est autre chose, hein. C'est la musculation, hein. Mais oui, hein. Bon, on est d'accord. Ok, c'est fini. On secoue les jambes. Tout va bien? Tout va bien? J'ai pas compris. Oui? Ok. Alors, on reprend l'exercice précédent. Cette fois-ci, on va descendre un peu plus bas. Je compte sur vous. 4, 3, 2. En bas. Mon chat. Waouh! C'est jazz. Mon chat. Attention, écoutez-moi. On reste ici en flexion en bas. Stop. Alors, on fait des petits. Encore. Ça va? Ramenez. On change de côté. Allez. Encore, on descend. 4. 3. Comment ça va? 2. 1. On reste en bas. Stop. On a fixé. On fait des petits. Super. Ça va? Allez, remontez. On reprend place. La jambe que vous voulez, hein. On y va. On descend. Droit dans le sol. On y va. Très bien. Ok. Encore 8 fois. 8. 7. 6. Est-ce que ça va? Descendez.
Plus bas que ça. On change tout de suite. On y va. Ou tout de suite. Allez, c'est parti. Encore, allez, on descend. Moi, je pourrais descendre un petit peu plus bas. Hein. Ouais, je pourrais descendre plus bas, ça marcherait plus. Oh. Mais c'est dur aussi. Mais vraiment, si je descendais plus bas, ça serait plus efficace. Bon, courage. Allez. Encore 4. 4. 3. 2. Basta. Ça va? Prenez un tapis. Allez. On s'installe. Mettre le tapis au sol et on s'installe à quatre pattes. Allez, à quatre pattes, comme ceci. Vous vous mettez sur les coudes, ok? Serrez bien les abdos pour pas cambrer. Ne cambrez jamais, hein? Ok, allez, c'est parti. On tend une jambe à l'arrière. On tend, on ramène. Gardez la pointe de pied vers le sol, le bassin face au sol. Voilà, comme ça. Hop! Et quand vous tendez la jambe derrière, il faut bien serrer la fesse. Serre, on y va. Serre la fesse, voilà. C'est bien. Hop. On serre la fesse. Ça va? Continuez. Encore. Hop. Allez, faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur. Vous pouvez monter, monter. Si vous avez les abdos bien serrés, ça se passe bien. Cambrez pas. Voilà. Allez, les 8 derniers. 8. 7. 6. 5. 4. On garde la jambe ici en l'air et on fait des petits en haut. Hop, hop. Ta-da-da-da-dam. Ça chauffe un peu? Normal. On n'en fait pas beaucoup, c'est juste pour faire brûler un petit peu à la fin. Encore. Hop. On change de mouvement, vous avez le genou levé et vous allez tendre derrière. Le genou est levé sur le côté, voilà, et vous tendez vers l'arrière. Voilà, c'est bien encore. Il n'est pas facile celui-là. Hein. Si vous voulez être plus à l'aise, vous pouvez vous mettre sur les mains si vous voulez. Du moment que vous n'avez pas mal au dos. Ne bougez pas le dos, faites pas ça. Ne vous tordez pas dans tous les sens. Gna 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 gna. Le dos est fixe et il n'y a que la jambe qui bouge, ok? Trois, deux et un. Allez, on change les jambes derrière. Le premier c'est celui-là, voilà. Et hop, on tend derrière, on serre la fesse. Allez, soufflez bien en montant. Encore. Hop. Hop. On y va. Voilà, ce mouvement, c'est un grand classique hein, pour travailler les fesses. Il est efficace pour tonifier les fessiers. Vraiment, si vous contractez bien volontairement haut, hein, c'est important. Hop. Hop. Ta-da-da-da-da. Super. Allez, encore. Souffle bien. Plus que 4. 3. 2. On reste en l'air. On plie la jambe. Les petits en haut. Ok. On y va, on y va. J'ai tendance à rester immobile. Faites les petits, mais pas non plus trop petits. On y va. Je voudrais les faire tout petits minuscules. Ah mais bon, si on bouge plus. Allez. On change de mouvement. Allez, le genou léger sur le côté. Et on a les tendons derrière.
côté et on tend derrière. Si vous ne sentez pas trop travailler sur cet exercice, c'est que votre genou il est trop bas. Levez le genou. Genou en l'air sur le côté. Voilà, vous ramenez le genou quasiment vers l'épaule. Non, pas jusque là, sinon vous allez vous tordre le dos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le garder bien en l'air. Ok? Allez encore, c'est parti. Les 8 derniers. Tadam. Plus que 4. 4. 3. 2. Et 1. Et on relâche. Asseyez-vous. Ok, détendez-vous. On étire rapidement le fessier. Voilà, vous êtes comme ça devant. Vous croisez une jambe ici par-dessus. Vous amenez le genou vers l'épaule opposée. Vous grandissez. Voilà pour bien étirer ses fessiers. Vous avez bien bossé. Si vous avez senti chauffer les fessiers, mettez-moi un petit pouce like. Ça me fera super plaisir. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos directement sur votre téléphone, abonnez-vous à la chaîne Move Your Fit. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos. Je vous dis merci, je vous fais des bisous.